Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3 les guerres du Tiberium. Et on reprend à ta dernière fois dans World Food ce jeu. Après l'insurrection de Rio, il est temps de récupérer notre technologie furtive. Les factions d'Amérique du Sud n'ont pas suivi leur foi, mais leur peur. La peur seule ne suffira pas à faire plier les factions restantes. Des dissidents se sont levés pour gagner respect et loyauté sans faille. L'un d'entre eux, notamment, dirige d'une main de fer ce qu'il reste de la main noire. Un hérétique. Son nom, Frère Marcion. Il a réussi à se faire connaître grâce à un discours des plus mensongers et blasphématoires. Et son nom était Kay. Il possède un don. Un vrai don oratoire. J'apporte la lumière aux égarés. Et l'espoir aux désespérés. J'apporte des promesses de paix et la grande prophétie du tout-puissant Tiberium. Sa loyauté ne faisait aucun doute, mais le GDI a tiré parti de sa seule et unique faiblesse, sa vanité. Ils lui ont fait miroiter une destinée de leader du Node et ils m'ont fait passer pour un charlatan. Un des fanatiques de Marcion a assassiné mon successeur Anton Slavik. Le chef de la manoir. Marcion a mené ses fidèles dans l'arrière-pays australien. Le nombre de sympathisants augmenta avec sa fausse prophétie créant une armée de zélotes, une nouvelle manoir. Son heure est venue. Son héritage est un vieux souvenir. Il n'y a que moi qui connaisse le vrai chemin. Moi seul. Comme je ne peux encore me montrer, nous utiliserons ce faux prophète pour parvenir à ressusciter la main noire. Trouvez-le. Capturez-le. Persuadez-le. Ce qui nous revient de droit. Le nœud est de retour, mais n'est pas de taillouté avec la technologie de pointe GDI. Les archives de la confrérie ont presque été entièrement détruites après la seconde guerre de Tiberium, privant Ken de plusieurs siècles de recherche. Paradoxalement, nos amis du GDI nous proposent une alternative inexpérée. Un duplicat de nos bandes de données sur la furtivité d'origine inconnue est actuellement analysé dans un centre de recherche secret du GDI, situé sur la côte australienne. Reprenez ce qui nous revient de droit. Préparation transmission vidéo. Marcion ne va pas oublier le sens du mot correction de sitôt. Il va nous falloir aborder le territoire hérétique, envoyer une force de frappe de l'autre côté de l'océan. En Australie. Bientôt, Option pour nouvelle construction. En attente. Annulée. En construction. Nouvelle transmission. Ce laboratoire contient les dernières traces de la technologie furtive de la confrérie. Capturez-le. Combattons pour le Node. En construction. Alors. Entraînement. Double saboteur pour récupérer les tours. La confrérie s'en remet à moi. Construction. Je vois ce que vous voulez dire. Mince, il y avait déjà une main noire. Tandis que la confrérie s'est scindée les jours suivants ma mort. Notre technologie a été négligée. Des années de recherche laissées à l'abandon. Les espions ont localisé un laboratoire abandonné du GDI où notre technologie furtive, capturée il y a longtemps, d'or, ni exploitée, ni comprise par ces bandes d'incapables. Ramenez-la pour la confrérie. J'ai totalement pas vu que j'ai déjà une main noire. Oh, le boulette. Donc cette mission-là est plutôt compliquée, je vais pas vous mentir. Vous êtes toujours pas technologie furtive, donc ça la rend plus dur encore. J'ai pas été capturé. En construction. Le scorpion est prêt. Des champs bien verts. C'est désert. Bâtiment scorpion est prêt. Je vais faire une mission. En position. Je réfléchis aussi pendant que je joue. On est prêt. Que cette mission-là, c'est la mission que je déteste le plus du jeu. En position. C'est que la deuxième. Mais c'est celle que je déteste le plus et que j'ai eu plus de mal. Parce qu'il y a certaines informations de recherche technologique, il y a certains renseignements qu'il faut carrément aller dans leur base en fait, pour les avoir. Char Scorpion.
Unité ennemie en vue. Préparation de transmission. Attention! Attention, saleté de fanatique! Hé, vous comptiez pas passer inaperçu, hein? C'est le GDI, territoire de la griffe d'acier! On n'aime pas trop les types du Nod qui traînent par ici! Aucune chance. Plutôt pour la dépouille. On peut déjà recommencer. Je me suis mal pris, voilà. Parce qu'en fait, la première attaque, je sais pas d'où elle vient. Marcion ne va pas oublier le sens du mot correction de sitôt. Il va nous falloir aborder le territoire hérétique, envoyer une force de frappe de l'autre côté de l'océan, en Australie. Bientôt, mon enfant. Bientôt. En construction. La liberté par les armes. Ce laboratoire contient les dernières traces de la technologie furtive de la confrérie. Capturez-le. On s'arrête pas. La confrérie s'en remet à construction. Bah, j'ai aucun scrupule de recommencer. Hein. Je sais pertinemment la quand cette mission est perdue en difficile. J'ai tellement fait cette mission que. Le Nod doit acquérir de nouvelles terres. Le souci, c'est qu'en fait, le début de la mission est aléatoire. Vous savez pas. Transmission vidéo. Tandis que la confrérie s'est scindée les jours suivants ma mort. Notre technologie a été négligée, des années de recherche laissées à l'abandon. Mes espions ont localisé un laboratoire abandonné du GDI où notre technologie furtive, capturée il y a longtemps, attend, dort, ni exploitée, ni comprise par ces bandes d'incapables. Ramenez-la pour la confrérie. En attente, annulée, en construction, construction terminée. Alors maintenant, c'est le centre opérationnel qui vous donne accès aux améliorations pour les centrales. Donc en gros, vous l'avez ultra rapidement. En construction. C'est pas plus mal. J'écoute. Donc une raffinerie pour ce champ-là, carrément. Bâtiment capturé. Bâtiment en construction. Construction terminée. Voilà. Maintenant, prévoir ça. Quel éclat. Alors, une nouvelle amélioration, c'est tourelle quad. Vous rajoutez en fait une tourelle sur le centre de contrôle. Qui augmente donc encore votre puissance de feu. Alors, la première attaque peut venir de là, là ou là. Donc, c'est pour ça que c'est totalement aléatoire au début de la partie. Et parfois, c'est compliqué. Préparation transmission vidéo. Attention! Attention, saleté de fanatique! Hé, hey, vous comptiez pas passer inaperçu, hein? C'est le GDI, territoire de la griffe d'acier! On n'aime pas trop les types du Nod qui traînent par ici! Priez plutôt pour la dépouille de votre prophète, car vous n'avez aucune chance ici-bas! Bah, ils viennent à droite. Voilà, j'ai pas de bug! Construction terminée. En construction. J'ai pas de chance. Origine de la griffe d'acier. Afin de ce qu'on garde Tiberium, l'implosion du Nod a fait croire au GDI que ce culte fanatique menaçait plus la population. C'est pourquoi il a choisi plutôt de continuer à combattre un Nod démobilisé de se réapproprier une partie du globe infesté de Tiberium. Une grande partie du budget en recherche et développement était affectée à cette mission et l'âge d'or de développement technologique du GDI a semblé renaître après plusieurs décennies d'hibernation. Bien entendu, cette nouvelle directive n'a pas fait que des heureux de remiter, notamment auprès du général Joshua Mitch Mitchell, vétéran des Corps de la Seconde Guerre d'Hibernian, connu pour sa jeunesse, sa fougue et ses innovations tactiques. Selon lui-même, ce noble a été vaincu, ça reste dur de penser qu'aucun successeur ne pouvait surgir parmi les poissons désœuvrés d'une planète où Tiberium ne cesse de gagner du terrain. Mitchell a donc milité pour investir dans la recherche et développement de nouvelles technologies de combat afin d'anticiper tout conflit plutôt que se concentrer sur la lutte contre Tiberium. En termes d'un long et éprouvant entretien, Mitchell a décroché une victoire partielle. Si GDI a refusé de la louer tout son budget en recherche et développement, il lui a confié une nouvelle division de technologie de combat et expérimentale, surnommée Griffe d'Acier, par les administrateurs de Mitchell, dont le héros de guerre Nick Havoc Parker. Ces bâtons d'élite non conventionnels ont vite pris une importance considérable dans les échafourées qui ont suivi l'implosion du Nod, au point de s'attailler une réputationnalité aussi impitoyable au combat que discrète le reste du temps. Collecteur attaqué. Allons voir ces cristaux. Unité attaquée. Construction terminée. C'est la unité des cristaux. Vite, tourne. Il faut le transporter. Ah bah. Cette terre.
Ingénieur de combat du GDI. Une vieille tradition veut qu'au GDI, le corps d'ingénieur ne s'entraîne pas à manier les armes. Ses membres préfèrent se consacrer à la conception de dispositifs électroniques de défense, mais l'affectation d'une node au sein de la population civile a passé l'ingénieur à sa merci. De nombreux membres du corps d'ingénierie, non les moindres, ont été assassinés. Pour remédier, le génie a mis au point un programme d'entraînement au combat pour tous les ingénieurs susceptibles d'être envoyés au front. Il a tous équipés d'une arme à feu et d'une armure optimisée. Ces efforts seront peut-être commencés, ne sont pas moins que les ingénieurs rechignent toujours à se battre. Descendant direct des appareils hybrides d'assaut et de transport du siècle dernier, imposant armes raides et son mode à jour, était comme super, c'était l'orca de GDI, dont la portée de tir est relativement faible. Armé de plusieurs canons vulcains et assez volumineux pour transporter tout un régiment d'infanterie, la marée dispose en outre d'un immense réservoir et de nombreuses réserves, qui permettront d'être opérationnels des jours entiers sans avoir moindre besoin de se représenter en armes ou en carburant. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, le souci dans cette mission, niveau équilibrage, c'est une mission prise de tête, je vais pas vous mentir. Ça, je pense que vous en avez déjà rendu compte, déjà que je suis en train de m'énerver là. Tiberium, c'est le plus droit. Sur qui on tire après? Révolte! Unité ennemie, destruction terminée. S'il vous plaît, attaquez au milieu, attaquez au milieu! Annulé, en construction. En on réparation. A les roquettes! Soldats! Unité attaquée, déploiement réussi. Unité perdue, en construction. Si ça bouge, on tire! Bien évidemment, à chaque fois que je me suis entraîné, ils attaquent au milieu, et là maintenant que je filme, ils attaquent plus au milieu. Hein. J'ai beau savoir que c'est aléatoire, mais à ce point-là, quand même. Et... En construction. Faut deux aussi qu'il y a maintenant parce que là c'est... Bon, heureusement j'ai mis pas mal de tours avec des deux. Pour l'instant ça dit. En réparation. En construction. Pour l'instant, évidemment. Parce que ça va pas tenir longtemps je pense. Parce qu'il faut tout prévoir. Faut mettre une tonne de défense laser contre les titans, une tonne de défense découpeuse contre l'infanterie. Construction terminée. Déploiement impossible. Déploiement impossible. En construction. Mais bon, après, si on arrive à si on arrive ici à mettre un construction terminée. Comment ça s'appelle ? Un émissaire, ouais. On arrive à déployer un émissaire. Entraînement. Après, Fnatic pourrait être bien aussi. Soldats aux armes! Soldats aux armes! Le GDI! Vite! Bon, au moins, l'avantage c'est qu'il continue à attaquer à droite avec plein d'infanterie. Je vais pas m'en plaindre, par contre, ils vont me détourer aussi au Tiberium, ce qui va être un peu plus dérangeant. Construction. La liberté bon, ça va, ça devrait le faire. Quoique, ça va pas le faire. Notre base est attaquée. J'ai vu un titan, je sais que maintenant ça va pas le faire. Unité attaquée. Deux titans. Pas d'escadron en roquette, ça devrait le faire. Ouais. Détruisons-les. Ils vont finir à chaud. Déploiement impossible. On les tient! On a les roquettes!
Assez de tours avec des coupeuses, ouais. Principalement, là, on constate que sur cette attaque, c'est surtout sur des coupeuses qui avaient posé des problèmes. Feu ! Soldats ! On ne faiblit pas ! Ils y passent tous ! Ils vont finir à genoux ! On va pas se plaindre pour une fois que ça marche. Combattons pour le node ! Allez, allez ! Unité ennemie. Continuons ! On se bouge ! Unité attaquée. Unité perdue. On annule tout. Ah oui, oui, ils vont spammer. Hein. Ne vous attendez pas à qu'ils aillent dans la dentelle. Hein. C'est du spam, 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 du spam. Et du spam. Déploiement impossible. Allons voir ça. Mais au moins le bon point, c'est vu que l'autre il sait ça qui est là, au moins il perd déjà des points de vie sur pour qui lui. On tire après. Entraînement. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Voir, ce qui est important, c'est pas que le collecteur se fasse à sa voix. Il va tenir, là, parce que... L'avantage, c'est vu qu'il s'est stationné un petit peu dans le Tiberium, il a perdu énormément de points de vie. Ce qui a été lourdement dédommageable par la suite, en fait. Voilà. Là, globalement, on voit que mes défenses tiennent. Et j'en suis plutôt content. En construction. Je vais appeler un transporteur, passer par la mer et déposer ici mon collecteur pour construire deux autres raffineries. Construction terminée. Option pour nouvelle construction. Maintenant. D'ailleurs, le transport ne coûte plus que 200. Le collecteur, vous avez remarqué, coûtait 1600 maintenant. Armement du node, oui. On a encore plein à débloquer. Cette mission, par contre, risque d'être longue. Nous allons C'est entendu. Porteur. Putain, j'ai cru que j'avais fait une connerie. Une mission. Vigé. C'est bon. J'arrive. Ouais, ça. Ah non, oui, bon, une droite, d'accord. Il a demandé en fait plusieurs heures d'affilée pour qu'ils suivent un trajet. J'ai refaré en une droite. Porteur. J'y suis presque. Très bien. Vite, 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 vite. Or l'ennemi n'attaque pas ici. D'habitude il m'attaque en force ici. J'arrive. Je viens. Ah d'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi je faisais des Venons en fait. La confrérie. J'avais oublié pourquoi je faisais des Venons. Ressources insuffisantes. Si ça bouge, on tire. Ils sont là. Vite. Prudence avant tout, on va les avoir. Unité attaquée. Unité perdue. On change de point. Les roquettes par là. Voilà. Y a quelque chose. Compris. Unité ennemie en vue. Vaisseau Venom prêt à décoller. Reçu. Mais vous me tenez. Enregistré. D'accord. En avant, vaisseau Venom prêt à décoller. Patrouilleur, on suit la cible. Alors, j'admets que voilà, heureusement que l'ennemi n'attaque toujours sur le même axe. Si vous vous démerdez bien, en fait, vous pouvez récupérer les ressources ici sans avoir trop de soucis. En fait. En avant. C'est d'ailleurs mon but, hein, de ma mission, c'est de récupérer les ressources sans avoir trop de soucis. Le sens de cette mission, c'est globalement ça, c'est avoir les ressources, plus de ressources possibles pour tenir. Alors maintenant, il faut savoir que les améliorations sont plus dans le centre technique et arche secrète. L'arche secrète, c'est toujours pour l'infanterie, le centre technique pour les technologies plus lourdes. Vous avez des technologies moyennes au centre opérationnel, des technologies aériennes à tour aérienne, équivalent bien évidemment les aérodromes, tout ça. Aussi dans les autres factions, hein, l'aérodrome pour les technologies aériennes. Ce qui
fait que maintenant tous les bâtiments vous permettent d'avoir quelques améliorations. Ce qui est d'ailleurs plutôt utile à des moments. Faut pas les perdre. Ils ne vont nulle part. On suit la cible. C'est sûr. Tuons-les. Coordonnées, ok. On va prendre un truc. On en est où? Peut-être pas être si tranquille que ça en fait. Entraînement. En construction. Je pensais être tranquille pour récupérer les ressources, mais. Bon, pas plus mal. Il est réactif. Ils se concentrent sur le bâtiment et non pas sur le collecteur, donc moi ça m'arrange. Ils ne vont nulle part. Il est dans 10 heures, prêt à décoller. Construction terminée. Notre base est attaquée. On va pouvoir maintenant faire les usines d'armement. Patrouilleur, allez-vous sur le radar. On la fonce dessus. Le bâtiment tiendra. On en est où? C'était pas une grosse attaque. Ça explique maintenant pourquoi en fait j'avais plus trop de pression pour un petit coup là. En avant. Deux ennemis. Confirmé, on y va. C'est que de faire retour avec ces unités pour m'attaquer ça en fait. Et pourquoi je capture pas Ezio Tiberium? J'ai envie de les capturer et d'être sûr de pouvoir les garder aussi. Unité ennemie en vue. En construction. On peut tout dégommer. On en est où? Qu'est-ce que c'est? Reçu. On s'approche. On suit la cible. Construction terminée. En avant. Ouais, il y a quelque chose. Coordonnées, ok. Roquette prête. Bah, le Wolverine est ultra efficace contre la franterie, c'est pour ça que. On les lâche pas. Ah, je suis impressionné de tenir aussi bien quoi. Patrouilleur. D'accord. Je pensais que c'était pire que ça, mais. Je vais essayer de foutre un émissaire ici. On est parti. Si ça bouge, on tire. Le nœud doit acquérir de nouvelles terres. J'ai déjà ce que vous dites, en avant. Pourquoi le mettre aussi loin? En fait, en le mettant ici, croit. Les troupes qui font comme ça seront interceptées là. Les troupes qui font comme ça seront interceptées là. Prudence, ça m'évite de devoir fortifier deux positions en fait. On bouge. Les roquettes par là. On ramasse tout ce qu'on peut. En patrouille. Reçu. En conscience. Je suis l'émissaire de Mirbu. Il y a quelque chose? Ouais. Attaqué. J'appelle. Construction terminée. Reçu. Ils ne vont nulle part. De résistance. Collecteur attaqué. Feu. Merci, le plus de résistance. On peut tout dégommer. Une bonne raquette. On la fonce dessus. Bien évidemment, ça sera pas chose aisée. Pas en remettre là. Bon, vous avez aussi remarqué que maintenant les usines d'armement donnent plus de zones de construction. Or, il a été plus ou moins décidé qu'en gros les bâtiments ne donnent plus de. Enfin, les bâtiments militaires, de manière générale, on adorait utiliser plein de casernes pour améliorer les zones de portée en gros de construction. Donc, les casernes, ça fait un moment qu'ils ont enlevé ça. Il y a quelque chose, confirmé. Les usines d'armement aussi. Enfin, ça fait longtemps. Roquette prête. Je parle d'un ancien épisode. Non, il passe qu'il y avait eu son ancien épisode, donc toujours lieu d'actualité sur celui-ci. Maintenant, cette terre. Ouais, il y a eu beaucoup d'équilibrage comme ça qui sont. Je trouve sympathique, honnêtement. Cette terre appartient au Nord. Ici, on récupère beaucoup de Tiberium, ce qui est plus. Construction parfait. En construction. Et le fait que maintenant ce soit le centre technique qui nous fournisse les. Construction terminée. Les centres améliorés, sur cette mission-là, ça prend vraiment tout son sens. Construction terminée. Parce qu'avant, tu rushais la pot technique le plus souvent pour avoir son et tout améliorer.
d'unité est plus faible. C'est sûr. Vous voulez descendre ? Construction terminée. Faut pas les perdre. Voilà. En construction. Vente. Révolte ! Vite ! Allez. En patrouille. Combattons pour le Node ! Construction terminée. Ouais. En construction. Par ici, vente. En construction. L'oppresseur doit mourir ! Ah oui, jeune mec, là c'est... Révolte ! C'est la ligne Maginot que je suis en train de vous refaire. Et ça va être... J'ai un mec, c'est chiant à regarder. Cette phase de jeu. Construction terminée. Option pour nouvelle construction. Mais j'ai pas le choix. Ah d'ailleurs, l'infusion coûte plus que 1000. En construction, en attente, annulée. Mais on n'a pas le choix, quoi. C'est... On est obligé. Pour cette mission-là... Construction terminée. Il n'y a pas 36 techniques. Hein. Mais bon. On s'en sort plutôt bien. On va pas se plaindre. D'ailleurs, les gammes blindées de bulldozer, ça serait bien. Hey, let's go. Construction terminée. Ils n'en peuvent plus. Ah, détruisons-les. Par là. Soldats, pourchassons-les. Déploiement impossible. En construction. L'oppresseur. Alors, Gammerhead, en gros, c'est... J'ai pas le temps de revenir. Les Zek d'Assis sont les seuls à avoir... C'est une des sous-factions de GDI, comme vous en doutez. Sont les seuls à avoir accès... à des ingénieurs qui puissent tirer sur d'autres ingénieurs. Donc en gros, l'arme est efficace pour tuer d'autres ingénieurs. Optimisation terminée. Et nous, on peut commencer à construire nos compagnies de blindés. Les voilà, allez. À bas le GDI. Pourchassons-les. Combattons pour le Nord, qu'il meure. Même sur ça aussi après. La liberté par les armes. Go. Plus vite, allez. Ils n'en peuvent plus. Ouf. Les d'acier sont les seuls à avoir, avoir accès à des ingénieurs de combat. Plus ou moins efficaces, hein, après. Parvenir sur l'efficacité de ces unités. Hein. Soldats, à l'attaque. Ok, en soi, ils les ont. Ils ont accès à beaucoup de bipèdes. Patrouilleur, unité. Ouais. Qui est déstabilisant au début, j'admets. Par exemple, au lieu d'avoir des chars Predator, ils ont des titans. Donc c'est plus puissant. Leurs bipèdes sont plus puissants que les équivalents. Ils ont une meilleure puissance de feu. Wolverine est plus puissant contre l'infanterie que le BBT. Il est vrai. Soldats. Cependant, le Wolverine ne peut pas transporter d'infanterie par rapport au VBT. Eux, ils ont un VBT à la place de réparation. Je peux continuer plus loin. Le Titan est plus puissant que le... je veux dire que le char Predator, c'est vrai, c'est le cas. J'étais en recherche pour le char. Cependant, à côté de ça, il est certes plus puissant. Mais il est plus cher, il est plus lent, il est moins mobile. Ressources insuffisantes. La liberté par les armes. Or, la fronde, l'unité anti-aérienne du GDI, enfin une vraie. On est prêt. Avant, on avait toujours des pseudo-unités anti-aériennes, maintenant on a des vraies. On va pas se plaindre.
Qu'est-ce que je peux rajouter en plus sur cette faction là? Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est une grande spécificité, je pense, de cette faction. Spécificité aussi, chaque faction du GDI. Enfin, le collecteur n'est pas le même. Le GDI standard. C'est toujours la même musique de. Ah, par contre, j'ai pas peur. C'est ce que je disais. Bah, oublie c'est les blindés, ça devrait le faire. Bah, c'est des collecteurs lourds, en gros. Vous pouvez mettre une unité en garnison dedans. Exosocta, ou tout ce que vous voulez. Hein. Vous décidez. La Front est un. Donc, Front, c'est un aéroglisseur. Donc ça paraît sur Go, ça peut être pratique. Après tous les débords endurés par les agresseurs du GDI pendant et après la seconde guerre du Tiberium, la Front est une sorte d'anomalie, constituée d'un vestige autrefois novateur du GDI, qui vient finalement de passer en phase de test après une décennie de développement. Ce véhicule est exclusivement antiaérien, résiste mieux aux tempêtes d'ions que ses prédécesseurs et ne demeure pas moins fragile, étant donné qu'il a troqué son badge et son armement additionnel pour une meilleure maniabilité et une plus grande vitesse, ainsi qu'un canon quad susceptible d'envoyer au tapis plus puissant avion ennemi. Je viens peut-être de dire une connerie. Je ne sais plus si on peut aller sur l'eau avec leur aéroglisseur. Ah ouais! Entraînement. Je vais m'enfermer sur ce coup parce que je ne sais plus. Division char! Allez! Je sais absolument plus. Okay. D'accord. Donc, voilà, on a aussi dégommé l'unité en garnison, là, le collecteur de garnison. Et... Ah non, j'en ai pas eu. Enregistré. J'aurais cru. Base ennemie. Coordonnées ok. Unité ennemie en vue. Voilà, mais il y a quelques soucis avec des fonds. Okay. Le scorpion est reçu. Compris. D'accord. Ouais, il y a une caserne là, d'accord. Enregistré. Le scorpion est prêt. Le scorpion. On est parti. Ouais. Le scorpion est prêt. Ok. Le scorpion est prêt. Confirmé. Unité perdue. Enregistré. Reçu. Confirmé. Je pense que vous m'avez vu tourner direct. Okay. Ah ouais, c'est sélectionné ici. Ça va, ça pourrait être pire. En position. En avant. Alors, on y retourne. Je fais énormément de chars scorpions. Je sais que je m'éloigne énormément de mon objectif qui est capturé de ça. Mais je dois liquider cette base. Je me suis toujours fixé comme objectif de liquider cette base. Pour la suite de la mission, ça simplifie tellement. Honnêtement, je m'en fiche des pertes. Si je dois perdre 10 000 hommes pour reprendre, je sacrifierai 10 000 hommes. Mais j'ai besoin de dégommer cette base pour que la suite se passe. Évolverine, les saloperies ont pu te découvrir en 2023. Voilà. Oh. Le mec, mon attaque n'est pas la meilleure des idées, mais j'ai pas de choix. Voilà. Patrouilleur confirmé. Char scorpion. En avant. Ah, ma première attaque a fait des dégâts. Y a quelque chose. J'ai pété toutes les tourelles anti-aériennes. Pas tourelles anti-aériennes. Toutes les. Ah non, il reste qu'une tour de défense anti-infanterie. Enregistré. Quasiment fait perfect, dommage. On les voit sur le radar. Donc le Wolverine, évitez de faire infanterie contre les exercices, parce que un Wolverine, ça vous expose tellement vos infanteries. Ils ne vont nulle part. Donc les tourelles anti-char, j'en ai gommé une bonne partie, il en reste quelques-unes. Pour faire des chars scorpions, ça c'est une certitude. En avant, enregistré. En vue. On est parti.
Confirmé, on y va. Le scorpion est Voilà. Reçu. L'avantage, c'est qu'ils ne construisent pas de front dans cette mission. Ils en ont deux bases d'élite, mais ils n'en construisent pas, donc ce qui nous simplifie bien la vie. Et le fait qu'ils commencent à manquer de ressources. Collecteur Go. Général Vincel prend la flexibilité sur le champ de bataille, d'autant qu'il est en même au collecteur employé par les griffes d'acier. Plutôt qu'une treuve sur tourelle, le collecteur griffes d'acier comprend une capsule garnison, ce qui garantit sa vêtue de parer à toute menace pesante. Par exemple, l'ennemi vous fait plein d'unités véhicules ou aériennes, vous mettez un lance-roquette dedans ou un exosoldat, c'est plein d'un véhicule au sol, par exemple, pitbou, etc., des véhicules d'attaque rapide. On est parti. Le scorpion, des scorpions par exemple en attaque rapide. Mais l'ennemi par exemple, au lieu de vous sortir tous ces véhicules là, il vous sort plutôt une unité d'infanterie, ben, peut-être un commandant dedans. Ou des snipers. Ouais, il y a énormément de possibilités en fait de... Ah, il y a le BMO, tout le monde que je récupère. Le Behemoth, c'est en gros, c'est la même idée que le Juggernaut. Avec juste un truc en plus bien chiant. Une capsule de garnison. Oh non. Ah oui, j'ai oublié ça. Détruisez-le vite. Il est 3 secondes de rechargement maintenant. C'est plus 5. Oui, parce que j'ai eu tous les patch notes. Quand je l'ai installé cru, j'ai installé tous les patch notes qui allaient avec. Behemoth GDI. Et les 3. Le jeu Gornote et Behemoth sont passés de 5 secondes de tir à la base dans l'ancien Command & Conquer, sont passés à 3 sur soleil, et c'est énorme cette cadence de tir. Malgré son statut d'unité forte, GDI a fait basse capacité de charge que Gornote laisse se bander d'artillerie par triomphe vulnérable des combats rapprochés. Après avoir bien vu trop de Juggernaut se faire pouvoir sous les attaques du régiment d'infanterie du Nord, l'infanterie du GDI, l'ingénieur du GDI a décidé d'équiper ses bannés d'unité de garnison d'infanterie. Renzel s'est verré fantastique dévastateur pour répartir aux reconnaissances du Nord, osant encore confronter Juggernaut. Cette version améliorée du meilleur bandé du GDI surnommé le Behemoth a rapidement été produit en série, puis après avoir été testé et approuvé par les griffes d'acier, devrait très vite fournir un excellent soutien d'artillerie longue distance 80. Génial. Entraînement. C'est bon. On les tient. On s'en occupe. Personne ne peut nous battre. Besoin d'un bleu transporteur arrivé. On s'en occupe, on les tient. Reçus. On s'en occupe. Détruire ça en urgence. Alors, j'admets que mon attaque est ultra massif. Oh non, ils vont raser. Ils ont roulé dessus. Les cons. Bon bah tant pis. Entraînement. Entraînement. Il reste 3 tours de Tiberium, 4. La confrérie semble la confrérie. Personne ne peut nous faire, ne recule pas. Personne ne peut faire. Maintenant, on rase la base, clairement. En avant. Le transporteur est là. Une mission, porteur, prêt à partir. On va vous emmener. Un transporteur, porteur. Ils sont faits, rien ne résiste aux scorpions. Ouais. On s'en occupe. Explosez. Personne ne peut nous vaincre. À l'attaque. Et là, on vient de neutraliser en fait la menace ennemie, vraiment. Besoin. Je vais pouvoir nous prendre, récupérer ces tours au Tiberium qui va me rapporter. On va vous emmener. Un transporteur. Bâtiment capturé. Un boost. Un boost économique qu'on va pas se plaindre. On va vous emmener. J'y suis presque. Allons voir ce champ. Avec ce quand c'est vide. Un transporteur. Celui-ci va aller là. Porteur. Je viens. C'est quoi le plan? Unité ennemie en vision char.
Voilà. Maintenant. Parce que bien évidemment après il faudra défendre la base à droite. Structure non plus. Unité de poids. Le scorpion est prêt. Doit mourir. Le scorpion est prêt. Qu'est-ce qu'il est gentil déjà. Vraiment, merci de cette mission. En position. Le scorpion. Dans les meilleures prérogatives. On ne recule pas. Le scorpion est prêt. Parce que bon, vous voyez que je suis déjà à 40 minutes de vidéo. Si on avait 5 minutes où je me suis payé, ça fait 35 minutes. Il faut se mettre au boulot. Donc n'hésitez pas à recommencer si vous voyez que vous ne pouvez pas défendre la première assaut au des groupes d'acier. On ne recule pas. Ils sont faits. On aurait peut-être pas beaucoup de temps. On y va. On ne recule pas. À l'attaque. Je sens le tour est prêt. Reçu. Explosons-les. Ouais. Le scorpion est prêt. Division chat. Le scorpion est prêt. Allez. Ils sont faits. Alors, il est important d'être sûr, pour moi, le collecteur lourd, c'est la seule unité la plus chante à tout. Enfin, un ingénieur plus un collecteur lourd. C'est pour ça qu'il faut que moi je conseille d'aller directement de base et de s'en occuper. Ça vous permettra au moins d'être sûr de l'avance. C'est quoi le plan ? Allons voir ça. Et maintenant qu'on a coupé les centrales de leur base. Entraînement. Entraînement. L'attaque à droite sera plus simple. Soldats aux armes. Soldats aux armes. Parce qu'ils auront plus de défense aussi. Soldats aux armes. Soldats aux armes. D'ailleurs, toi, vu que t'as plus de soldats aux armes. Soldats aux armes. Ah non, ils ont plus de courant. Soldats aux armes. Soldats aux armes. Ok, il n'y a plus de courant. Et ils ont un autre behemoth en fait à droite. J'aurais aimé en avoir deux. Enfin. J'aurais aimé surtout en avoir en fait pour l'assaut en fait sur la base. Soldats aux armes. 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 Par les armes. Par ici. En position. C'est quoi le plan? Le scorpion, allons voir ça. Division char, on y va. C'est quoi le plan? Alors vous par contre vous allez faire réparer. Division char, le scorpion est prêt. Le scorpion est prêt. Allez. On ne recule pas. Bon. Unité attaquée. Allons voir ça. Le scorpion est prêt. Le scorpion est prêt. Unité ennemie. C'est quoi le plan? C'est dommage. Soldats! J'admets qu'il fait la bonne vieille méthode de la mosse infanterie. Enfin, bonne vieille époque. Seuls les plus anciens joueurs s'en souviennent. Soldats! À une époque, en fait, vous faisiez une tonne de casernes, vous produisiez que ça. Je dis pas que ça marche pas, mais maintenant c'est beaucoup moins efficace quand même. Personne ne peut nous vaincre. Combattons pour le Nod. On est prêt. Division char. Allez. C'est quoi ouais, le plan? Ça, ça. Cette compagnie là. Est sous feu, c'est parfait. Celle-ci peut attaquer. Ici, il me faut. M'en faut même deux. Porteur. Division char. C'est bien beau de récupérer toutes ces structures, mais. Unité. Unité perdue. Allons voir ça. On lance l'assaut. L'oppresseur doit mourir. D'ailleurs je vais juste faire deux motos de combat. Quelques motos de combat pour être sûr qu'il y a. On est parti. Moto est travaillé en sort. Moto est mission. Bordeur, prêt à partir. J'ai récupéré des motos. Pour être sûr qu'il n'y a aucun sniper. Cette moto est prête. On est prêt. C'est quoi le plan? Combattons pour le Nod. Patrouilleur. D'accord. Oui.
Porteur. On sait jamais. Figé. C'est bon. Une mission. Le B-mode est à priorité, clairement. C'est... Entraînement. Continue à faire plein de chars. Comptez sur moi. Qu'est-ce que c'est? Unité récupérée. J'ai quelque chose. J'ai donné au sniper. Position. Le scorpion est prêt. Le scorpion est prêt. La liberté Porteur. Par les armes. Une mission. Ouais. Pour vous servir. Donc maintenant, on peut mettre des têtes de garnison. Enfin, il y a que l'ex-AC qui a cette unité-là. Un transporteur. Le scorpion est prêt. À son avantage par rapport aux autres. Je peux vous aider. Voilà. Nouvelle transition. Protégez le labo jusqu'à la fin du transfert des données vers nos serveurs centraux. Transfert des données initialisé. 4000. Unité ennemie en vue. Unité attaquée. Unité perdue. Si le labo est détruit à plus de 50%, les données risquent d'être corrompues. Défendez-le. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est des bipodes. Ils écrasent vos tanks. Qu'est-ce que c'est? Ok. J'ai pas y penser. En voyant ça, j'avoue. Allons voir ça. Ce qui est un gros atout quand même. Besoin de silo. On y va. Imaginez sortir votre. Entraînement. Votre premier véhicule qui est déjà un véhicule lourd, hein. Qui fait ultra mal. Pour tes véhicules. Unité ennemie en vue. Unité attaquée. Division char. Le scorpion est prêt. Le scorpion est prêt. J'ai pas mis en contrôle 1 ça. En avant. Grosse erreur. En construction. Okay. Le scorpion est prêt. On les voit sur le radar. Transfert terminé à 25%. C'est sûr. On les descend. On les a eu. Scorpion est prêt. Enregistré. Scorpion est prêt. J'ai quand même refoutre des tours entières. En action. En interrogation. Le scorpion est prêt. Mais en tout cas, c'est vu que mon armée est déjà là. Ça va. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai détruit. Le souci. Le scorpion est prêt. Bon, après vous allez me dire, ouais, mais t'as des défenses, tout ça, donc t'aurais pu vraiment laisser tes défenses, foutre plein de troupes là-bas. Le souci, c'est que l'ennemi a parfois un peu tendance, toutes ces troupes qui vous envoient sur vous, de lancer à droite. Donc les 20, les 10-15 escadrons dans ce rocket qu'on s'est pris de plusieurs fois dans les dents. Position. À droite. Construction terminée. Voilà. C'est juste pour ça que je donne vraiment à fond. Terminé à 50%. Pour des tours à base ennemie, c'est juste pour anticiper ça. Reçu. Construction terminée. Sélectionnez une cible. En avant. Et ça simplifie aussi tellement la mission. Déploiement impossible. En construction. Révolte ! Soldats ! La mission est tellement plus simple comme ça. Quelles sont vos armes ? Construction terminée. Mais bon, après, voilà, c'est. Ne croyez pas que c'est une perte de temps. On est prêt. J'ai fait. J'ai tellement fait cette mission, j'ai une tellement de difficultés sur cette mission pour faire les premières fois difficiles, mais aussi les premières fois difficiles. Ouais. Que je sais de quoi je parle. Rasé à base de couches. Rasé à base de d'acier, parce que sinon c'est insupportable. Le scorpion est prêt. Le scorpion est prêt. Révolte! Et bon. Transfert terminé à 75%. Ouais. Ah oui, on voit plus rien. C'est dommage qu'on voit plus rien. Mais bon, après ça se passe bien. Mais sûr, hein. Parfois ils vous laissent totalement tranquille celui-ci, donc si c'est le cas, profitez-en. Avoir toujours un Satyberon qui vous donne des ressources, c'est bien. Ici, je pense que les troupes qui m'ont attaqué, ça devait être une patrouille. Prêt pour l'action. Je vais faire ça, à mon avis. Hop, hop, hop. Et vu qu'ils ont trouvé ça, bah, ils vont attaquer. Mais bon, on les a détruits avec les Venom, donc ça pose pas de soucis. Au final, vous voyez, cette usine a été ultra rentable, hein, cette raffinerie. C'est toi le plan. Le scorpion est prêt. Le scorpion est prêt. On est parti. Mais bon, il y a quelque chose. Voilà, le transfert des données terminé.
Ah, ça fait. Normalement, j'ai tout. Normalement, il y en a que 6. Le scorpion est prêt. Données mise à jour. Ah, il y en a 7. Ken l'éveille. Et le jour viendra où je me libérerai de ces maudits appareils pour marcher à nouveau sur la planète Terre. Mon visage est marqué, certes, et je dois le cacher à ceux qui me cherchent. Mais mes mains, mes yeux, mon esprit n'obéissent plus qu'à moi. J'ai passé mes années, le corps endolori à errer dans les moindres coins de mon esprit sombre. Et c'est là que j'ai puisé l'inspiration. J'ai une vision. Un plan. Il est temps de matérialiser cette vision. Le monde est assoupi otage qu'il est de son ignorant et il ne sait pas ce qu'il attend. Préparation transmission vidéo. Nous ne pourrons pas résister longtemps à l'attaque de la griffe d'acier. Leur commandant a beau être arrogant et leurs armes d'un autre âge, ils sont bien plus forts. Abandonnez, mon enfant, avant que les fruits de notre dur labeur ne s'envolent. Nous reviendrons. Objectif bonus rempli. Parfait. Mission accomplie. Et voilà. Donc pensez vraiment à être sûr, si vous voulez vraiment avoir tous les butins de renseignements, allez vraiment de leur base, détruisez le collecteur lourd et l'ingénieur de combat. Quoi qu'en soit, je vous remercie de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, de ça, portez-vous bien et à ciao tout le monde.